Les yeux sont des bâtards ou pas? D'ailleurs, attends, les yeux. Pardon. Quoi cette prohibitance hein? Il me faut une clé, mais c'est un mini-donjon. Mais ça, donjon poisson-chat. Nice. Ok. Par là, je peux passer. Et je peux pas sauter ça, il me faut 4. On aura le grappin, du coup. On aura le grappin, ici. Il me faut une clé, j'avance. J'ai pas pris... J'ai même pas... Bon, j'ai quand même deux... quand même deux... deux fées, ça va. Même si j'ai pas pris le bonus de PV. Boussole, parfait. J'aimerais bien trouver la carte, mais déjà la boussole c'est bien. Pas de clé encore, je vais descendre. Ok, c'est juste ce genre de truc. Ah ouais, d'accord. Ils sont reliés en forme de balance. Parfait. C'est suffisant. J'étais à côté, gros. Fait. Je suis trop con, il fallait faire un carré au milieu. Ok. Ici, un truc intéressant, mais je sais pas quoi. C'est quoi pour... Je sais pas quoi pour le moment. J'adore le bruit quand on pète ça, du coup. En tout cas, j'ai une clé, du coup, je peux revenir en arrière. Nice. Alors, à gauche il y a un coffre. Combien de bombes? 24. Ouais, je vais quand même les prendre.
Le bec, il manque quand même la carte. Hein. C'est un cul-de-sac ici maintenant. Ah, mais putain, il casse tellement les couilles ce truc. Tellement le meilleur moyen de se faire de me bait, moi. Et il faut full grappin ici. Ouais, à gauche cependant. Dommage. Je sais pas si je peux passer. Je comprends pas ce qui se passe. Bah, il y a le grappin ici ou je pouvais passer? Bah, il y a le grappin, parce que ici c'est une confirmation grappin ici. Je vais mourir, bien sûr. Mais c'est pas grave, mieux vaut retourner au début du donjon. Parce que refaire ce passage que j'ai fait un peu bugué, c'est mal. Je pensais pouvoir passer, mais j'ai réussi à passer. Mais où je passe par là, du coup. Est-ce que les TPIs ne peuvent pas être vaincus à la seule lame de ton épée? Il te faudra le faire exploser quand il se sera effondré, ok. Ok, no problemo pour ça. Alors est-ce que c'est pareil que tous les gros avec une épée? Et mon cul, c'est du coup là. Mais what? Nani. Je mets la garde et pourtant, il me touche. Je comprends pas comment. À quel moment? La garde fonctionne pas, tu vois. Nah. Il va mourir au troisième coup alors que c'était n'importe quoi. J'ai pris plein de coups à travers la garde, je sais pas pourquoi. Tire-toi. Du coup, un des carrés a été vaincu, genre dans la salle il y avait 4 carrés au sol, ça veut dire quoi? Des carrés bleus. C'est une signification. Nice. Mais en fait, ça donne une bombe à chaque fois, c'est un peu ridicule. J'ai pris ce qu'il y avait dans ce cove, viens le chercher si tu l'oses, maître Stalfan. D'accord. J'ose. Oh, on dirait les poissons dans Mario. C'est les poissons dans Mario que je raconte. Mais j'aime bien comment ils sautent de la même manière. Putain, mais quel pire jeu.
Mais je l'avais déjà touché lui, non? Ok, bah visiblement non. Visiblement non. Je pensais l'avoir déjà touché, du coup j'étais en mode c'est bon. Je lui ai avancé dessus pour looter s'il avait drop un truc. Ouais, écoutez. C'est ridicule. Je me fais hit pour rien, c'est ridicule. En plus, déjà que les fées, elles te sonnent pas automatiquement dans le jeu. Déjà, c'est chiant. Les avoir pour rien, quoi. Du coup, je vais aller prendre une vraie fée, qui est la meuf d'en haut. Je lâche le bouton et il s'arrête pas, et des fois il s'arrête. Je sais pas c'est quoi le problème. Ah bah maintenant tout d'un coup on peut se taper à côté d'elle. Alors qu'avant on pouvait pas. Quoi, je sais pas. Faut que je découvre du coup. Ah c'est la... C'est le poisson qui m'a permis de me taper à la marmot. C'est ça, à la marmot. Ok, ok. Je comprends. Je comprends maintenant. Je me rappelle, elle l'a dit. Il est minuit, allez, on finit ce donjon et on s'arrête, hein. Pas déconner. Pourquoi des fois il s'arrête, des fois il s'arrête pas? Mais pourquoi je vais pas consistant? On comprend pas. Pourquoi il m'a touché? Aucune idée. Ça avait rien à voir dans ce combat. J'étais loin de lui. Mais bon. Xbox, hein. C'est par là, hein. Et en plus ça servait à rien de les combattre. Pas génial. Ponge là où se croisent des lumières, des flambeaux. Ok. J'ai oublié que ce connard il te défend juste.
Des trucs de grappin, non? Yep. Tout le grappin ressemble à une flèche. Ah, j'ai pas le choix que d'aller là ou alors. Oh, quoi que si. Mais. Oh putain. Je voulais sauter. Je me suis trompé complètement. Autant garder ça, comme ça si on se trompe, on creuse. Mais merde, ça m'a ramené là alors que. Putain, mais de toute façon, je pouvais rien faire à droite. J'ai pas de clé. Faut rien faire par là parce qu'il faut le grappin. Je peux continuer par là. C'est ce que je faisais, non? Un autre étage, non? Ok, ok, let's go. Voici tellement des PV gratuits. Je me prends des hits tellement bêtement. C'est ça qui m'énerve. Sur un slime. Ouais, je me... Mais le pire c'est que j'appuie sur les touches, hein, mais je me trompe parce que... J'ai trop l'habitude de sauter avec d'autres touches, je vois plein de joueurs en même temps, ça m'énerve. Pourquoi la touche de saut et d'attaque tout le temps? Voilà, encore une fois. Je voulais pas sauter au-dessus de ce squelette, bien sûr. Mais ça avait l'air tout comme. Là où les lumières des flambeaux se croisent, ok, c'est pas très compliqué. Reviens ici. Avant, je vais voir ce qu'il y a au nord. Bah, partout où je peux pousser, je peux pas parce que c'est bloqué. Okay. Pourquoi y'a un Goomba là tout seul? Et je le tue. Tadam, tadam, tadam. Mais je peux pas! J'ai pas le grappin encore! Du coup je suis venu ici pour rien. Là c'est bloqué, est-ce que je peux pas pousser? Est-ce qu'il y a des trucs derrière? Du coup là ça je pousse, faut que j'aille à droite. Là, je choisis tout le temps les mauvaises directions pour le moment. Allez, où le grappin là? Faut donner le grappin. Oh putain. Ça par contre c'est les pires trucs, à chaque fois tu te fais avoir. Oh mais la baise. Infini. Grappin, grappin, grappin. Il y a besoin du grappin partout, gros.
Je peux même pas l'atteindre de toute façon. C'est via ça, via ça. Ouais, c'est fermé. J'ai mis la gare, putain. La carte, même pas le grappin. Du coup, ça sert à rien non plus. Parce que là, je peux pas, ça, je peux pas atteindre. Là, je peux pas atteindre, ça, je peux pas atteindre. Aller en bas, d'ici, ça va servir à rien. Ici je suis arrivé avec ça, ça servait à rien aussi. Par où je peux aller maintenant? Il y a peu de routes qui s'offrent à moi, en vrai. Après ici c'est 3 cases. Donc, je peux au moins le faire comme ça. Mais c'est que de l'argent, du coup ça a aucun impact sur la progression. Si c'est 4 cases, du coup c'est impossible. Putain, quand c'est qu'un carré c'est compliqué. Mais j'appuie et pourtant ça passe pas. Ça sert à rien. Je peux essayer encore ici à droite, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Encore un gros. Mais la gare sert à quoi dans le jeu? Sert les gardes. Ah ok, les carrés sur le sol donnent le numéro de la salle. Du coup ça c'est la salle du boss 3. Ça c'est la salle du boss 4. Ça c'était le 1. Ok. Du coup je vais taper le 3. Mais putain, je vous jure j'ai sauté, c'est un truc de fou comment des fois ça part en couille. Là, tu vas être dans la salle 4 du bout. Ok, lui est fait. Et du coup, pour atteindre la salle 4, faut que je retourne au tout début du donjon. C'était une autre route. Ce qui signifie, autant elle serait jeune. Ça sert à rien. Chez les fées et pas chez la meuf. La meuf, j'ai encore son, j'ai encore sa protection.
les touches. Hein. Les touches. Je ferme les yeux. Ça, c'était pas fini. J'ai bien entendu sauter et pas charger mon attaque. Oh putain, ce speedrun. Ok, c'est de la merde. Ok, on retourne derrière le donjon et cette fois on défonce l'étape 4 du squeletton. Et 100% il nous donne le grappin. Et une fois que c'est fait, on peut refaire tout le donjon avec le grappin et accéder aux zones qu'on pouvait pas. Et après c'est bon. Après c'est bon, je pense que le donjon, on a fait la majeure partie déjà. C'est par là ou en bas? Je crois que c'était en bas. Allô? Ça va Tenshi? Putain, mais je suis un bâtard. Tu voyais pas mes messages? Quel message? Moi je viens de voir que le halo là. Tu m'as envoyé des messages autre part? Peut-être que je voyais pas dans le chat. Parce que... Non, il y a que halo et tu voyais pas mes messages. Non, tu voyais voir la fée. Ah, ici. Ah ok, non. Je sais pas, c'était bugué. Ça arrive des fois. Hein. Ça arrive. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis toujours dans le déni des touches. Hein. La frustration de vouloir sauter avec le bouton X qui est B, qui n'est pas A. C'est toujours les mêmes problèmes. Mais putain, j'ai fait l'ocarina, mais sa race. Meurs. Mais what the fuck? Ok, je comprends pas ce qui se passe. Des fois hitbox dans le jeu c'est le buff, c'est un problème. GF5 c'est... ça marque, c'est le principal. Et du coup je te demandais si la bombe c'est vraiment plus de dégâts au boss qu'un coup d'épée. C'est pas que... Oh le grappin. C'est juste que il meurt pas des coups d'épée, faut forcément le bombe, c'est la strat. C'est pas pour faire plus de dégâts. C'est les statues de hibou qui te disent ça. Vous avez obtenu le grappin, vous allez voir qu'il s'étire. Bah oui. Enfin gros. Oh putain yes. Oh le plaisir. Et alors faut refaire tout le donjon avec le grappin. Est-ce que ça tape les gens? Oh, ça stun les connards. Ouais, spécifiquement ce boss. Genre, la statue de hibou, elle te dit les gros squelettons ne mourront pas de ta lame. Il faudra les faire exploser lorsqu'ils s'effondrent. Un truc comme ça. Assez explicite quand même. Oh.
Le jeu devient gratuit en fait. Merde. Par contre, si je touche du bois par erreur, c'est une autre histoire. Qui a... Ok, c'est cool. C'est sans ça, yes. Ok. Je vais regarder la map et essayer de faire le plus de trucs possible. Alors maintenant je vais aller où... Ben déjà le coffre tout là-bas à gauche. Putain mais connard de squeletton. Merde. Tu peux tuer les boules de foudre, il me semble que oui avec le grappin. J'ai essayé, j'ai eu l'impression de toucher, mais peut-être que j'ai pas touché. Et du coup j'avais l'impression que non. Mais peut-être que j'ai raté ma cible. Ah j'étais encore dans l'animation de prendre la fée. Du coup j'ai pas pu attaquer. Tantôt j'ai réussi à passer malgré ces trucs en sautant rapidement. Et puis je me suis retrouvé bloqué ici parce que ça avait bugué pour que je passe et en fait je pouvais plus repasser. Ça m'avait choqué. En mode bah nice bug. Nice bug or feature, I don't know. Pas casser les pots avec. Non. Ah je peux grab au pot par contre. Ça c'est intéressant. De l'argent, une clé. Ok. Donc quoi, il y avait moyen un peu de glitcher. Et ça, ça se fait. Ça ne change rien sur ces trucs. Ah merde. Et what? Ok, il faut leur grappin un l'œil, j'imagine. Ouais, pour les stuns. Et merde. Elles sont pas décalées en fait. Maintenant qu'elles sont décalées, je pourrais peut-être dodge un et tirer sur l'autre. Oh, mais elle m'a foncé dessus, cette pute. Prendre mon autre fait, ça sert à rien sinon. Oh mais vas-y. Rester entre les deux c'est compliqué aussi. Non, je pense que si t'étais au milieu entre les deux, celle d'en haut, elle te dash obligée pour que tu puisses pas... Sinon, c'est comme si tu faisais un 1v1 avec l'autre, elle veut pas te crash tirer dessus avec l'œil, je crois. Je crois que c'était principalement pour ça. Après, en bas, c'était un peu au pif. Quand même, quand j'étais près du mur, elle m'a quand même tiré dessus ou foncé dessus, je sais pas.
Ouais, il est mal. Ouais, celle du haut, elle m'a toujours dashé dessus quand j'étais entre les deux. Elles m'ont un peu bourré quand même. Ah ok, c'était le boss de mid donjon. Vu que c'était le boss de mid donjon, je vais aller régène parce que de toute façon je me suis fait défoncer. Celle d'en haut. Celle d'en haut, oui. Celle d'en bas, non. Comment? Merde. Ouais, c'est un cœur, mais y a aucun cœur qui drop, du coup c'est chiant quand même. Je voulais mettre pause et j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Parce que des fois, j'ai envie de mettre le menu d'inventaire avec la touche triangle parce que dans certains FF c'est comme ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Même dans le coin, des fois, elle me fonçait dessus. Celle du bas, c'est une salope. C'est celle du haut qui m'a baisé. Parce que quand je suis allé entre les deux, je me suis dit peut-être que... il y a moyen d'arnaquer et faire un 1v1. Et en fait, pas du tout. Elle a perma dash. Salut la sirène. T'aurais dû voir quand je lui ai pris une de ses écailles, mon ami. Elle voyait tout rouge, hein. Mais bon, Link, il en a vu d'autres. Quoique, c'est jamais tapé Zelda, le mec. J'avoue, Link, il est dans la misère. D'ailleurs, il n'y a pas Zelda dans ce jeu. On a arnaqué, il n'y a que Marine. Pas Le Pen. Alors, ça menait où cet escalier encore? Je sais plus. Ah oui, ici il me fallait le grappin, parfait. Et merde. C'est de la merde en fait. Il me faut une serrure. Ok, c'est le boss, c'est la route du boss. Retourner au début de donjon, ce sera plus rapide. Bah quoi, c'est vrai, c'est Marine, mais pas Le Pen quoi. Pas déconner. Elle préfère chanter cette Marine là. Ou Martine. C'est pas plutôt Martine son nom? Je sais plus gros. Je me suis trompé de route, je suis un connard. C'est vrai que j'allais me faire toucher, il y a toujours ces bugs de hitbox chelou. Quand il te rebondit sur toi-même et il est dans ta hitbox et il se prend ton bouclier H24.
sais plus pourquoi, comment, où t'es. Putain, les pires mobs. Et il tarde, je suis pas patient. Par où faut que j'aille? C'est fait, c'est fait. Tu vois, genre de bête hit que je me prends. Mais le pire, c'est que tu peux sauter au-dessus d'eux, mais les hitbox, elles sont cheloues. Je sais plus où mène cet escalier. En bas. Merci pour l'information. Où mène cet escalier? En bas. Mais qu'est-ce qu'il y a en bas? Pour ça, il faut descendre. Ah, bah merci, Zéhir. Mais ça me ramène ici, on s'en fout. Useless, useless. C'est useless. Le truc c'est que j'ai déjà fait le donjon, du coup j'ai juste envie de rush et de retrouver les coins où j'avais besoin de du grappin. Parce que j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà tué tous ces mobs, c'est bon. La statue avec elle tire. Ouais elle tire cette pute. Là je regardais pas, je me suis fait taper par le poisson. Ouais, là-dessus avec l'œil, elle tire même pas toutes et tu peux pas leur tirer dans l'œil, elles sont juste là. Elles te tirent dessus tant qu'il y a des ennemis pour te casser les couilles. Dès qu'il y a plus d'ennemis, elles s'arrêtent en mode non, mais c'est bon. Non, mais laisse, quand je pars dans des délires d'escalier comme ça ou des phrases un peu cheloues, c'est y a des références, c'est reflet d'acide, je sais pas si tu connais. Moi SM on fait pas mal de références là-dessus, on aime bien rigoler. On aime bien rigoler. Ouais, on est des mecs qui aiment rigoler. Genre de gars qui aiment bien rigoler moi. Que de nom. Oh c'est vraiment marrant. On se fend la poire quoi. Voilà, ici c'était un des endroits où il fallait que j'aille. Une clé. Ça c'est fait. Là aussi il y avait un coffre. De l'argent. Putain. Mais putain! Les trucs qui bump sur ton bouclier, qui te traversent, mais à quel moment tu gardes ça? Le truc, tu prends le coup, tu bloques le coup, mais le truc continue sa route. Du coup, après, il te touche derrière, alors que t'es en train d'avoir un knockback du coup que t'as bloqué. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il te traverse tout en alors que tu le bloques, et puis derrière, il te touche. T'es là, du coup, faudrait pas être la garde, faudrait rien faire. Ça, c'est fait aussi. Ah attends, ça, tout ça c'est fait. Il n'y a plus qu'ici. Mais je sais plus quel escalier me mène là. C'était pas celui-là, si. Avec le poisson. Non, le poisson il m'a amené. Il m'a amené où le poisson? Putain, je sais plus. Quel escalier me mène là? C'est un escalier qui. Attends, celui-là m'amène tout là-haut. Celui qui m'a amené au boss, c'était celui-là. Ça doit être celui-là. Hein. Après le boss ici. Quoique non, celui-là il m'a amené ici. Et c'était useless. Du coup ça devait être celui-là. Ça devait être celui-là. Aïe. Ça je vais réessayer. Non ça marche pas. Aïe. Bon après on peut être mauvais aussi. Du coup c'était en bas. Hein. Ah mais du coup faut que j'aille à droite et puis que je revienne. Merde. Le pot m'a bloqué. Ah mais non mais les poissons je viens de les faire, ça m'a pas amené au bon endroit.
J'ai pas gaspillé des cœurs, ça rend pas tout une fée. Juste pour la remarque. Ça rend pas tout, ça rend genre... Moins de 10, ça rend 9 je crois. Ou 8, je sais plus. Ça rend un nombre pair, du coup je crois que c'était 8. Et vu que j'avais 3 cœurs sur 11, c'était pile poil là ce qu'il fallait. Attends, si c'est pas cet escalier... Est-ce que l'escalier... Là il m'amène ici. C'est peut-être celui de l'entrée hein. On va aller vérifier. La manière dont le poisson mort s'est retourné en l'air et est tombé. Oui, ça c'est useless. Ouais, du coup, c'était peut-être depuis l'entrée. Après, on peut aller au boss, hein, mais... Mais il manque des... Il manque un coffre que je suis censé pouvoir atteindre. Presque sûr d'avoir fait cet escalier aussi. Il m'amène au Goomba, oui, avec les trucs, et il m'a amené où après? Je sais plus où il m'a amené. Il m'a vraiment amené à une salle que j'ai déjà faite, non? Ok. De toute façon, je suis pas obligé de les taper. Pourquoi je fais ça? Ah mais c'est celui-là qui m'a amené à la salle du boss? Alors celui-là il m'a amené où? Celui-là il m'a amené là 100%. Celui-là m'a amené là 100%, celui-là m'a amené là 100%. Et celui-là je l'ai... C'était les poissons celui-là. Les poissons il m'a amené là. C'est lequel? Il y a 3 escaliers, il y a 7 escaliers sur la map. Ils peuvent pas tous se link. Il y a forcément un escalier qui manque. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escaliers. Au bout d'un moment, il y a un problème, tu vois. Je sais. Je crois savoir. Je crois savoir. Je crois que c'est depuis l'eau et que c'était un chemin différent. Du coup, vu que c'est via la flotte, j'y vais comment, putain de merde. Mec, il y a 7 portes et il essaye de les lier 2 par 2. Attends. Attends, il y a un problème. Sans blague. Mais putain, pourquoi il y a que celui-là qu'on peut pousser, casser les couilles. Là, t'es obligé de passer à côté de ces connards. Du coup je suis obligé de tout me retaper. Ouais ça passe hein, de leur sauter au dessus. Mais les hitbox hein. Pas toujours vraiment des box quoi. Pas toujours vraiment des box hein. Putain je dois pousser. Pousser madame, pousser oui voilà. Putain mais Nick Mock. Passe par là. Dire que je pourrais aller au boss, hein. Mais je veux ce coffre. Pas de petit profit. Là, il m'en manque un pour avoir 500. Bon, après, j'ai déjà acheté un item à 1000. Hein. Toulouloulou, sans blague. Toulouloulou. Attends, mais ça veut dire que c'est une clé? Ah, bah, la clé du boss. Avec ça, la clé du boss, ça va être compliqué. Alors comment on va maintenant au boss? Comment on va au boss maintenant? Depuis l'entrée. Et on va terminer sur le boss, mon gars. Donjon du cul. Franchement la plume, jamais tu la retires parce que sauter c'est là-bas. Ils auraient pu mettre sauter sur la touche de, sur la touche saut qui est en bas, comme dans Mario quoi. C'est même pas la même touche saut que dans Mario. Je veux dire. C'est que c'est forcément là. Merde, je crois que c'est pas le bon chemin ici.
Oh, ce speedrun. Ah non, j'avais pas besoin de me passer. Ah, je peux pas faire grappin en l'air. Doré. À moi, il dit sore. Sore. Let's go, man. What kind of motherfucker this time? Tu es l'intrus venu réveiller le poisson rêve. Tu vas me servir de déjeuner. Le poisson rêve, c'est Yoshi. Même si c'est pas Yoshi. The fuck? Oh, il est moche. On dirait un mob dans sport. On dirait un truc qu'un enfant fatigué a fait dans sport, gros. Et qui est pas trop fier de ce qu'il a fait. Ah, ok. C'est marrant d'avoir son point faible aussi rose. Ah mais merde, faut que je le poule de loin. Fuck. Du coup, ça sert à rien que je bouge en fait. Faut que j'attends qu'il soit au bon endroit parce que tant que je bouge, il est parti. Après, je sais pas si la queue, elle donne une indication sur où est-ce qu'il pourrait être. What the fuck just happened, man? Aïe. Oui, il me touche de là. So bad, man. Et des fois il a des yeux normaux et des fois il a des yeux énervés. J'attends qu'il ait des yeux normaux pour que son point. Voilà là. Là il était extractable. Là aussi. Là non. Ou alors je rêve. Et ça n'a rien à voir. Si, j'ai l'impression que si. Du coup, je suis obligé de le pull du bas. Ici. Ah merde. Ah voilà, c'est imbloquable. Ne vous inquiétez pas, j'ai mon ange gardien. Oh là, c'était bien. Moi je vais attendre. Ah mais c'est trop rapide. Tu n'as toujours pas compris quelle était la véritable nature de cette île ? Tellement stupide. Bah, c'est Mario quoi. C'est Super Mario World. C'est juste que on est dans Zelda et du coup le jeu il a pas compris. Moi je sais hein. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre long de vie, et blablabla. Nice. Le xylophone des toilettes. Le xylophone marin, très bien. Je pensais à des rouleaux de toilette, on dirait les pieds, on dirait du PQ, des rouleaux de PQ. Vide. Putain, mais les pires instruments. Xylophone, quoi. Temple, temple renferme les secrets de l'île. C'est un peu tous des temples, tu sais. Tous ces donjons-là. Oh, le hibou vient pas nous parler cette fois. Il nous a même pas dit où est le temple. Quel temple? Ça, c'est un temple, non? C'est plus une tour. Ça, c'est des rivières. Ça, c'est le labyrinthe. On a presque tout fait, hein. Les dunes, le village. Aujourd'hui, on a tapé deux donjons. Hein. L'abîme du poisson et le poisson-chat. On fait combien sur 8, là? 5, non?
Où sont les instruments? Ouais, 5. Violon des vagues, conque de l'écume, cloche des algues, harpe de reflux, xylophone marin, mes couilles Mickey, ma bite Charlie, salut chez vous. Parfait. Alors avant de stop, il faut que j'aille voir la statue de la sirène. Maintenant que j'ai ce putain de grappin. Sinon c'est un monde fou. Parce que j'ai le collier, non j'ai l'écaille de la sirène, je l'ai pris tantôt. Du coup, faut que j'utilise l'écaille sur la statue. Et je crois que la chaîne se termine. Ça m'étonnerait qu'une statue me regarde et me dise « Tiens, je t'échange cette écaille contre mon socle. » La statue elle est pas vivante. Mais barrez-vous. Barrez-vous. Laissez-moi passer. D'abord je creuse comme un connard. Ah mais non, mais maintenant j'ai un truc qui me dit quand il y a des coquillages, ça sert à rien. Oh, je lui ai mis sur sa... Hein? Vous avez déposé l'écaille qui manquait sur la statue de la sirène. Let's go. Oh! C'est quoi? Incroyable, vous avez obtenu la loupe. Elle vous permettra. Hein? Elle vous montrera ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. C'est-à-dire. Un item. Non, c'est un équipement. J'ai la loupe, mais je. Permet de voir l'invisible? Du coup, si je vais au cimetière. Ça va se passer bien quoi. What? C'est quoi cet invisible de fou? C'était quoi ce bordel? Bah, de voir l'invisible, maintenant je stresse. Je me dis il y a des fantômes partout que je vais voir. Comment ça, ça se fait par une shot? Ah, je peux les soulever. J'aurais aimé soulever mes ennemis. J'ai une idée. Va chier. Oh, ils se noient. Bourrasse. Bon, j'avoue, c'est cruel. Ouais, le visage des animaux. Et on va s'arrêter là. On va gagner au village des animaux. J'ai fait combien de morts dans un monde de merde? Ah, oh, 2 morts de plus, mais ça race. Tu as 16 morts. Moi, je trouve ça va. Poète, 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 poète